Seigneur Jésus-Christ, nous que le Père a consacré par son Esprit Saint et rempli de puissance pour fortifier, pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par son Esprit Saint, le rempli de puissance pour fortifier, pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Le Seigneur Jésus-Christ, sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, que le Père a consacré par son Esprit Saint, est rempli de puissance et fortifié pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par son Esprit Saint, est rempli de puissance, pour fortifier, pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Et l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien soin. Prenez bien
conscient de ce que vous ferez. Et veuillez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande de notre Père Saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du Père Saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu.
prenez bien conscience de ce que vous ferez, vivez ce que vous accomplirez, et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Le baiser de paix, c'est le geste d'unité entre l'évêque et le nouveau prêtre. C'est aussi le geste d'amitié fraternelle entre les membres du presbytérium. Ceux qui ont imposé les mains vont également accueillir les nouveaux prêtres au nom du reste du presbytérium.
Là où ils sont là, les rideaux vont pas les affecter. Donc nous on passe au travail. Thank you.
Thank you.
Okay.
qui est vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses avec ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint pour ressusciter selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Selon ta volonté, c'est offert en sacrifice
pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec plaisir entre nous. La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Saint Jean-Baptiste, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent de persévérer. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Sosthène Léopold, Robert Cardinal Sarah, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, nos frères, comme Dani, Anatole, Martin Sidoine, Michel, Jean-Marie, Rodrigue, Pierre Simplice, Bertrand Rigobert, Barthélemy Léger, Ignace Anisset, Marcel Cédric et Marc, qui viennent d'être ordonnés prêtres, les autres prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, rassemble-la. Ses apôtres.